bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Days Gone. Nous en sommes à l'épisode 5. Merci à tous de suivre cette aventure de près. Vous êtes incroyables comme d'habitude. Et c'est parti, on se replonge directement là où on en était. Allez, c'est parti, on retrouve donc directement notre ami Deacon. Souvenez-vous, l'épisode précédent, on en avait appris un petit peu plus autour de Nero. Je pense que c'est l'armée, ou en tout cas une armée privée très très bien équipée, qui en sait beaucoup et qui étudie justement les mutants et les nids de mutants pour savoir à quelle vitesse ils se propagent, combien ils sont, et tutti quanti. On avait aussi vidé une zone totalement infestée de mutants, c'était d'ailleurs assez terrible, et on est donc reparti direction la suite de notre incroyable aventure. J'ai ramassé une petite batte de baseball juste avant de lancer cette petite intro. On va pouvoir en faire une batte à pointe que j'ai trouvé hyper redoutable en armes et vraiment très sympa, donc on va évidemment la garder. J'ai la moto qui est totalement en feu, si je puis me permettre. On va donc la réparer. Normalement ça devrait poser aucun souci. Et niveau essence, on a 91%. On est plutôt très très bien. Au niveau de la mission, on va un peu se remettre dans le bain parce que ça fait deux jours que vous n'avez pas eu la suite. La mission la plus proche est donc virée imminente. On est parti, on l'a fait directement. Localiser le drifter, ça ne devrait pas poser de soucis. J'espère qu'elle ne va pas être trop compliquée. Pour être très honnête avec vous, je trouve que le jeu, dès le début, pose une petite difficulté. Alors attention, pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Je suis pas en train de vous dire que ce jeu est incroyablement difficile et qu'il ne faut pas le faire, qu'il est à la hauteur de Sekiro ou autre. Rien à voir. Mais quand même, il vous laisse pas... Il vous laisse pas errer facilement. Il vous laisse pas tranquille, très clairement. Les mutants pèsent pas mal et on n'a pas vraiment rencontré de mutants en masse parce que je rappelle que le jeu pourra afficher des centaines et des centaines de mutants en même temps qui nous cavalent dessus. Donc jusqu'ici, on n'a pas vraiment eu affaire à cela. Néanmoins, il y a quand même de la difficulté. La vie descend et il y a du boulot. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es payé pour me la ramener, non? J'en ai rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Cop? L'un d'eux s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque un an. Je connaissais pas les deux autres. Tu veux que je demande? Non, ça ira. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Très très bien. On est donc descendu de la moto. Et... ma manette vibre. Je sais pas vraiment encore pourquoi. Donc j'ai la curiosité de savoir. C'est on a des traces de pas, très bien. On va devoir mener l'enquête. La Ferrari, cool. Ok, oh, des munitions, de l'essence. On va voyager, ouais. Ma foi. Oh oui, on va voyager. Ok. Qu'est-ce qu'on a à trouver? Moto. Le voilà. Ah, prime à moto. Certaines cibles mises à prix se défendent, d'autres prennent la fuite. Pour chasser ces cibles et prenez-les en vie pour obtenir leur prime. Percuter et tirer sur la moto de ses cibles est le meilleur moyen de les capturer sans les tuer. Waouh! Bah lui il hésite pas. Aïe! Mais wesh! Putain! Que... ok, la vie de ma mère. Donc tu as cru que tu pouvais traverser. Bouge pas, cowboy. Et tout mitraillé, c'est ça? Des gens, du matos, des cassés. On fait un tour au supermarché. Ok, bouge pas, cowboy. Combat à moto. À moto, appuyez sur L1 pour verrouiller une cible. Puis R1 pour tirer avec votre arme de poing. D'accord, très bien, jusqu'ici c'est tout. Je t'emmerde, Drifter. Copland peut aller se faire foutre, obligé. Ah, forcément, je suppose que plus on se rapproche, plus on sera précis. Totalement. Yes, l'imprécision masculin. Oh, ma moto. Ok. Ok. Sa moto est fort résistante, ma foi. Non mais c'est sérieusement là, oh. C'est quoi tes pneus, cousin? C'est du Kevlar ou quoi? J'arrive, hein. La vie de ma mère. Allez, bombarde. La taille du réticule, ok. Bon, bah, j'ai compris, plus le réticule est petit, plus vous êtes précis. Ok, juste à côté, t'as eu très très chaud. Non. Ok. Ok. J'attends vraiment que le réticule soit prêt. Bon. Bélier, percuter une cible avec votre moto endommagera cette cible, mais aussi votre moto. C'est un moyen efficace de blesser ou de désarçonner l'ennemi, évidemment. Hop. On va tout faire.
J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, d'où Jésus. C'est pas grave, on va devoir le percute à l'ancienne. Attends. Wow! Moi-même, j'étais pas prêt à ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que t'as fait, sale connard? Ah! Non! Non, non, non! Figure-toi que le corps voit pas ça d'un très bon œil. Je suis pas fan non plus, pour tout te dire. Mauvais pour la réputée drifter. T'imagines si t'avais flingué Manny? Hein, qui réparait ma moto, hein? Sale petite merde. Va te faire foutre! On va pas le laisser là, quand même. Tiens, des larbins de Copland! Un putain de kleps! C'est tout ce que t'es! Un putain de clébard! Okay. Complètement défoncé. Mission complete. Et le camp de Copland qui augmente encore. Je sais que j'ai des points, vous inquiétez pas, à m'attribuer. Pas de soucis à ce niveau-là. Virée imminente, débloquée. Oh là! Décoration perso, on va pouvoir customiser ma moto. J'ai appris que t'adorais les motos. On a mis 8 roues supplémentaires, ça va être incroyable. Note les coordonnées et envoie-moi tes hommes. Tu m'entends? Je t'entends pas bien. Il est en vie. Et 2%, c'est 2%. Voilà. Drifter. Ouais, bien vivant. Par contre, je peux pas dire combien de temps il le restera. Terminé. Dis-lui ce que... Dis-lui, Drifter. Allez, on se casse, j'ai envie de lui rouler dessus. Hein. Mais j'ai peur que ça fasse mission échouée, ça serait quand même fort dommage. Pardon, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'est bien ce que je pensais, on était... Putain, on était vraiment juste à côté du camp. Bougez pas, on va aller à la mission. Ah, voilà, c'est un petit peu la galère, mais on y arrive. Avec de la volonté, non, c'est pas des trucs comme ça. J'ai hâte qu'on retourne à Copland pour pouvoir customiser un peu la moto. J'adore les stickers, surtout mettre des flammes sur le côté du carbu. Bougez pas, on va ramasser ça. Je sens que ça va être du Pimp My Ride et qu'on va passer un agréable moment à tous s'amuser. On va prendre de l'essence, bougez pas, faut faire le plein. Sait-on jamais, les gars. Et d'ailleurs, faut se soigner. Est-ce que si je dors, je me soigne? Tiens, c'est une très bonne question. On va dormir pour qu'il fasse jour. Par la même occasion, bougez pas. Ça, c'est une très bonne question que la France se pose. Donc, on remplit la moto, on va se coucher, ça va permettre aussi de save. Et on va voir si on récupère la vie. Je ne pense pas, pour être très honnête avec vous. Donc, attention, parce que mine de rien, j'avais pas mal de bandages avant, de bandages, mais là, j'en ai plus que 7, ça part relativement vite. Hop, on a quelque chose ici, je prends, les gars. Moi, tout ce qui est ferraille, j'ai été ferrailleur, mon oncle était ferrailleur, mon grand-père était ferrailleur, et ma grand-mère a été boulangère du côté ferrailleur aussi, donc ça fait extrêmement plaisir. Hop, on va se coucher avec le bidon d'essence. Toujours dormir avec un peu d'essence à côté de soi, ça fait pas de mal. Allez, hop, voilà. Juste une petite sieste. Histoire d'inhaler un maximum d'odeur d'essence et ne jamais se réveiller finalement. Et ça, ça fait plaisir, les gars. Ne reproduisez pas ça chez vous. Je rappelle que même le sommeil est entièrement réalisé par des cascadeurs agréés et professionnels dans chacune de mes vidéos. Ah bah, quand je crie cascade, les gars, c'est pas pour rien, ok? Allez, c'est parti, il fait jour. Incroyable. J'aime quand il fait jour. Et on va save. Et on fonce directement à l'objectif principal. C'est parti, hop, sauvegarder. On va faire une sauvegarde à l'ancienne. Parce que j'avoue que les sauvegardes rapides, c'est très rapide. Mais c'est peut-être trop rapide pour moi. Moi, je commence à être un vieux, tu vois. Ah, bah, je commence à être un vieux. Donc, moi, ça commence. Putain, mais même ça, c'est très rapide. C'est très rapide. Ok, on est parti. Il pleut tout le temps dans ce monde de merde. Je suis au Nevada ou quoi? Putain, c'est terrible. Direction la moto, qui est totalement par ici. Et direction. Ah, mais putain, c'est. Je vais bruire. Ok, j'ai fait tout le tour, ça fait plaisir. Attends, faut vraiment que je mémorise, parce que quand je descends les marches, c'est en face à gauche et non à droite. Allez, c'est parti. Endurance épuisée. Et j'ai pas récupéré ma vie. Hop, c'est pas grave. C'est chose faite. On y va, on se casse, les gars. En moto, aucun souci. Ah, le mec est plus là. Celui que j'ai ligoté. Si? Ah non? Ah non, mais il y a encore le loup, par contre. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais encore le loup, c'est vraiment stylé, ça. Parce qu'on en a fait des missions, les gars, depuis le loup. Hein. Je crois que le loup, c'était épisode 3, hein, me semble-t-il. Hein. On est quand même à l'épisode 5. Ça avance, les gars, ça avance. Ok. J'appelle juste pour prendre des nouvelles. Ouais, nickel. On est allé le voir il y a 2 minutes, amuse-toi, Newton. Dès que tu seras remis sur pied, on file vers le nord. Comme on avait dit. Ouais, j'espère. Ça me manque grave de faire mon tour. Concentre-toi sur ton rétablissement. Faut encore que je bricole la bécane et on récupère du matos. On met les voiles dès que tu seras remis. Ok? Terminé. Ok, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Dégage de mon chemin! Ça dégage.
bougez pas. What? Enfin, un peu de silence. J'ai peur. Ah! Putain, il m'a fait peur, la con. Bon. Ok, j'ai préféré détruire. Oh mon dieu. C'est quoi ce chemin? Il vient de là en plus. Très bien, ça a l'air safe. Le jeu est très beau. C'est là que tu te rends compte que le jeu est vraiment très beau. Oh, l'ambiance dans le tunnel. Hop. Voilà, ça arrive. Hein. Je reviendrai pas. Hein. Hop. Voilà. Voilà. On est bon, hein. Attendez. Attendez, attendez. Vu qu'on a vidé ce tunnel, ça serait dommage de pas en profiter. C'est pas trop tôt. Saloperie. Ok, j'ai un chargeur complet, ça c'est plutôt cool. On va vraiment essayer de viser la tête. Je pense que c'est ce qui me paraît être le plus optimisé. Oh là là! On a récupéré quasi toutes les balles utilisées, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on va se mettre les points de compétence dès qu'on arrive devant la prochaine mission, qui est quand même super loin, 1,7 km. Il y a de la distance, il y a du chemin. Et ça, ça fait plaisir. Et là, c'est l'ambiance un peu plus sèche. Tu vois? C'est très sec ici. On a tous la gorge très très sec ici, là. En fait, j'ai jamais fini de cramer cette zone de nidification. Mm-hmm. Est-ce qu'on le fait? 4 nids à détruire. On peut le faire. Hein. On peut totalement le faire. On va le faire. Ok. Hop, ça c'est cadeau, frérot. T'emporteras ça avec toi, poteau. Putain. Ok. Femme cascade. Oh putain. Attends. J'ai peur. Cascade. Ok. Cascade. Ok. Hop. La vache. On a perdu de la vie déjà. Bon. Je me soigne peut-être un petit peu trop, je vous l'accorde. On va prendre ces balles de pistolet. On a un autre nid ici. Oh la vache. Oh putain, il m'a fait... J'ai paniqué, je suis désolé. Ok, je peux faire une technique australienne. Voilà. Et toi? Oh, bien joué ça. Ah, il m'a mis une patate. Très belle patate qu'on a là. Ok, ça c'est fait. On va pouvoir se TP rapidement ici. Donc ça c'est plutôt cool. Autant le faire. Il me reste 41 balles. Oh, j'apprécie. J'apprécie. Denis, c'est quoi ça? Putain, c'est une branche. Les Denis sont faits. Denis Roussos. Là, c'est je m'y connais ça. Non, c'est bon, ça vient de disparaître. On va fouiller d'ailleurs. Parce qu'il y a peut-être des matières qui valent très très cher, regardez. Ça, je sais que... On sait pas un résidu de nid, on sait que ça vaut. Mais on sait pas à quoi ça sert vraiment. Donc, autant le prendre. Je suppose que dans un camion, c'est le bordel aussi. Ou peut-être à côté. Ouais, c'est à côté. Hop, voiture de flic, on passe à côté. C'est très important, on le prend. On prend notre temps, j'espère vraiment que cette aventure vous plaît. Ok, 9 balles de fusil d'assaut, c'est très cool. Je dois être loin d'un nid, je le sens. Bien joué, Einstein. Hein. On le sent tous un peu, finalement. Encore un feu à volonté. Alors, où est la porte? J'aime bien attaquer les portes. Oh, le il y en a deux. Il doit être par là. Ok. Ok. Ok, très très bien. Très beau jeu de ma part. Putain, ils sont partis carrément. Ils sont sortis d'à côté, les mecs. C'est incroyable. C'est incroyable. Faut ramasser les oreilles aussi, hein. Faut pas oublier. J'en ai 4. Je vais arrêter de tirer avec cette putain de kalach qui est fort chargé. Ok, on a quelque chose ici. Ferraille quantité max, plutôt cool. Voilà, un autre nid. Allez, au feu. Allez, c'est le dernier, les gars. C'est le dernier. On va pouvoir se TP ici. C'est plutôt cool. Allez, sors, mon pote. Vache, la visée au pistolet. Je rappelle que... Je rappelle que mon aide à la visée est totalement désactivée. Infestation de Crazy Willy, c'est fait. Et Hot Springs
C'est pas encore ce qu'il y a dedans, mais c'est fait. Exterminateur, 15%. On a nettoyé 15%, c'est plutôt cool. De la map. C'est le dernier. Allez faire vos putains de nids ailleurs. Ok. Saleté de mutant. Très satisfait. Je sais pas vous, mais je suis extrêmement satisfait de ce qui vient de se passer. On va fouiller vite fait. Parce que si on trouve un petit coffre avec des munes. Oh, du résidu. Mais du... Oh là là. Oh, ça, c'est un frigo. Ça a l'air fondant un croquant. Ok. Cool. Première fois que je trouve ça, je sais pas c'est quoi. Cocktail d'endurance, incroyable. Allez, ça faut que ça brûle. On va pouvoir se TP ici dorénavant. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a? Encore du résidu. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a? Des mâles, ça ferait plaisir. Encore un cocktail d'endurance. Cocktail d'endurance, c'est où avec ces conneries? Ah, très bien. Cocktail de santé. Des bandages que je ne peux pas fabriquer parce que j'en ai déjà au maximum. D'accord. Ok, on verra plus tard, on verra plus tard. Je sais pas s'il y a un raccourci pour les cocktails d'endurance, on va apprendre ça. Sur le fil, si je puis me permettre. Direction la moto. Et direction la quête principale, parce qu'on a fait un petit détour, mais ça valait le coup. Comme ça, on pourra faire de la TP rapide, et ça, c'est plutôt cool. Ça n'a pas de prix dans ce monde de brut. C'est parti. Putain, mais c'est... j'ai l'impression qu'on n'avance pas. C'est toujours à 1 km, c'est terrible. On y va... Oh. Oh, cette petite ville, elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Pour l'instant, on n'a pas rencontré... on a rencontré des camps. Il n'y a pas vraiment de gens, si vous voyez ce que je veux dire, dehors. D'accord? C'est peut-être un petit peu dommage. Mais pour l'instant, hein. Après, premier et deuxième épisode, il y avait du monde dehors. Mais c'était des méchants. Mais ça serait bien... ça serait bien des gens comme nous, en fait, finalement. Et qui veulent pas spécialement de mal. Attention. Oh, la vache. C'est qui a crié comme ça? C'est la biche ou... Ok, c'est par la droite. J'ai peur de ce qui va se passer, les gars. Ça sent rarement bon. Et j'ai plus d'essence. Hop, voilà, cascade. On apprécie. Je vais où, là? Hop, oh, cascade! Oh, bordel de merde! J'aurais peut-être ouvert ma gueule, mais en fait, il y a peut-être bien des gens pas très sympas. Waouh! Réparation, maintenez croix à proximité de la moto. Maintenez... Merde, ça pouvait pas tomber mieux! Frère! Il m'a snipes la gueule! T'es où, petit bâtard? What the fuck? Waouh! Sale folle! Mais wesh! Malade, toi! Ok. Ok, 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 mon pote. Ah! Putain, le fou! Ils ont été libérés! Et ça, ça dégage. Donc, de malade. Complètement timbré, hein. Ok, hop. Ça, je vais te le prendre, frérot, hein. Ça va le faire. A mon avis, je vais me régaler avec ça. Alors, mon gars. Qu'est-ce que tu dis ça? Allez, mon pote! Dessus, headshot! Ok. Bon, c'était une embuscade. Alors, ça, c'est cool. Bon, on venait d'en parler. On trouvait qu'il n'y avait pas assez de monde dehors. Je viens de tomber dans une embuscade. Ça fait plaisir. Mais est-ce qu'il y a des gentils quand même? Parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant tout de même. Ok, réparer le moteur. Attends, je travaille le sujet, frérot. J'ai été mécano. Bon, c'est parti. Ça a pas l'air trop grave. Eh ouais, mais ça c'est rien. Ça c'est 2-3 coups de clé. Ça passe. Eh ouais, mon pote. Ah, je m'y connais en moto, hein. Bon, moi 6 ferrailles. Ça commence à me coûter, ces conneries. On est reparti. Toujours pas d'essence. Peut-être qu'on recroisera encore une ville. Attention, cascade! Voilà, reproduisez pas ça chez vous, les gars. C'est très dangereux. Évidemment. Je rappelle que je suis agréé. J'ai tous les diplômes nécessaires. Passer par ici. C'est très très loin, les gars, d'accord? Peut-être un peu trop loin, si vous voulez. Bah attends, pourquoi on traverse? Oh, Jésus. Vous voulez cette sombrerie? Tiens, on va passer par ici. Très bien. Ok. Attendez, 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 attendez. Ah oui, on a fait un beau morceau de map, là, tout de même, hein. Ah oui! Rejoignez Tucker et Alkai au camp Hot Springs. Encore un nouveau camp. Très bien. Très très bien. Encore un nouveau camp. Eh bien, c'est
c'est quoi? Ah putain, un animal. Eh bien, on y va. On va pouvoir customiser sa moto et ça, c'est cool. Attention, cascade! Ah, voilà. Allez, gars, ça me paraît. Eh, je sais que ça me paraît léger comme cascade, d'accord? Je suis bien d'accord avec vous. Jusqu'ici, il n'y a aucun souci. Il y a un poisson. Hein. Mais tout de même, il faut le faire. Ok, on a quelque chose ici, je suppose. Une petite ville. Il va y avoir, à mon avis, une zone infestée. Et ben voilà. Ça, vas-y, ouvre-moi. C'est un drifter. Ouais, je drift un max ici, en fait. Ils sont où, Tucker et Alkai? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis... Putain. C'est vrai que je me suis trouvé très agressif sur le coup aussi. C'était totalement gratuit, mais on sait jamais les gars, hein. Vaut mieux prendre... toujours prendre ses précautions. Ok, c'est par où? C'est par où? Je suis à deux doigts de bouillard. Je vais déjà me battre en fait là. Quoi? T'as besoin d'un truc? Calme-toi, calmez-vous tous, que tout le monde se calme par ici. Hop, ton change, le baise mon pote. Il est rincé. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un champ de roches volcaniques géant, sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait des marteaux-piqueurs. Ha, pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Hé, hey, ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme, il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Al. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Al. J'ai autre chose à faire. Les Reapers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne les a arrêtés? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils allaient vers le nord? Al! Est-ce qu'il venait vers nous? Oui ou non? J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, du con? De quoi est-ce que tu me parles? Bon sang, Alkai! C'est pas à lui de savoir ça! C'est ton putain de boulot à toi! Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Reapers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins con. Stop! Oh, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai bien aimé. Je m'y attendais pas. Bien joué, Deacon. T'as retrouvé Léon? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Oh! Ça elle nous emmène en voiturette, incroyable! Pas ramener un survivant. Ce qui reste encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu deux morts de plus. C'est pas mon problème. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi, mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Boozer? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour Cope. Son camp est proche du vôtre? Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Boozer. Il va où ça lui chante. Putain. Vous laissez ce truc brûler jour et nuit? Mais comment qu'on le laisse brûler? Avec tous les drifters qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres de mutants. Essayez en mettant plus d'essence, ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera à sec, comment tu feras le plein de ta moto? Tu pisseras dans le réservoir? Qu'est-ce qui se passe encore? Le compte y est pas, il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garde hier soir? Wheeler.
Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire, ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis ? Comme je disais, un camp, c'est comme une prison. Un ramassis de feignants, de menteurs, de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Tu sais pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et hargneux ont survécu. Plus monstrueux que les mutants. Et les autres sont là. À espérer que je leur offre le gîte et le couvert. Pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé, hey, toi ! Remets-toi au boulot ! M'oblige pas à aller chercher Cyrus ! Bon, de bon, rien. Ils peuvent se tourner les pouces tant qu'ils veulent, le soir. Mais leur journée m'appartient. Gérer un camp, c'est un peu comme gérer une prison. Je me souviens plus. T'étais quoi ? Directrice de prison, un truc comme ça ? Rien d'aussi important. J'étais gardienne-chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier ? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Forks, il a aperçu quelqu'un. Il aurait dit une jeune fille, mais il l'a vu en coup de vent. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu produit. Il est sûr de lui ? Larsen a autant de bouteilles que toi. Il sait reconnaître un humain d'un mutant. Mais t'es taillé pour cette mission. Trouve-la, avant que les mutants le fassent. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Tuck, je veux le reste de mes crédits. Allez, pour les gens. Ramène-moi d'autres survivants. Retourne bosser. Et je te couvrirai de crédits. Ok. Trouvez Akai. Je trouve Wheeler. J'en connais un qui va passer la nuit. Bon. C'est à 36 mètres. Jusqu'ici, pas trop de soucis. Pas besoin de reprendre la moto, évidemment. Ça sert à rien, on va la laisser là. Direction Alkai, avec qui je m'étais embrouillé. Alkai. Il y a peu. Tu veux quoi, Drifter ? C'est quoi ton problème ? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du RIP, du côté d'Iron Butte. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé. Au sujet de deux motards, deux hommes. Pour savoir s'ils les avaient vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le Reaper a parlé de mon grêle. Combien de drifters portent encore leur couleur ? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible ? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as, parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick. Très bien. Vendeur d'armes, donc. Bon, et eh ben écoutez, on va voir si on peut acheter un truc sympa. Armes de poing en mauvais état, piteux état. 2000 crédits, j'ai pas beaucoup de lové. Une version nettement améliorée du 9 unimètres. Non, moi, ça peut être plus qu'intéressant. 1250 et niveau de confiance 3 nécessaire. Je peux acheter que ça, en fait. Très bien, je peux acheter que ça. Et je peux acheter ça. Une très faible puissance d'arrêt qui nécessite de viser la tête. Un défaut contrebalancé par la disponibilité des munitions et une cadence de tir élevée. D'accord. Écoutez, je pense qu'on va plus favoriser l'arme de poing, en vrai. Ça me paraît pas mal. Un calibre pareil te serait bien utile. Ok, c'est fait. Niveau casier, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Ouais, c'est mieux. Et il y a un chargeur avec une plus grosse capacité. Clairement, c'est mieux. Jusqu'ici, pas de soucis. Plutôt cool. Accessoires, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Recharger les munitions de fusil d'assaut. Incroyable. Ça coûte pas très cher, en plus. Bah, attendez. Excellent choix. Voilà, on se fait plaisir. Toujours se faire plaisir dans la vie. Niveau de confiance, silencieux pour arme de poing, j'ai déjà. Ah non, il faut un niveau de confiance que je n'ai pas encore. Très bien. Très bien, je peux pas l'acheter malheureusement. Le repeater m'a l'air pas mal. Repeater. Si t'as besoin d'autre chose, je suis là. Ok. Arme de poing 9 mm. On s'en fout. Je vais pas ramasser l'arme de poing. J'ai mieux. Bon, ça c'est fait. Maintenant, direction 30 mètres. Retournez à votre moto. Et on continue. Évidemment, notre moto. Faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Oh putain. Apporter les médicaments à Tucker. Donc, Alkaï vend des armes supérieures aux vôtres. Ou apporter les médicaments à Copeland. Manny a promis de vous aider à retaper la moto. Vas-y, hein, retapez la moto, les gars.
On peut pas partir vers le nord tant que cette bécane n'est pas réparée. Bah ouais. Va pour Copland. Allez ! Ah d'accord, on a des choix, putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable. À la recherche de Léon, 83%. Ok, et là, va falloir que j'aille à 1 putain de kilomètre 6. Forcément, il faut que j'aille à Copland. Est-ce que Copland, j'ai un moyen de TP rapide ? Poser un marqueur, putain, j'ai pas. Sélectionner la mission. Coût du voyage rapide. Et, ah d'accord, 2h30 ça me coûte. Et ça me coûte de l'essence. Et j'ai pas assez de carburant pour faire un voyage rapide. Waouh. Ok, on va aller là. C'est sur le chemin. On va aller prendre de l'essence. Attends. Non mais parce que je suis peut-être un petit peu débilos là. Mais regardez. Si je vends aux vendeurs de cartes là, toutes les oreilles qu'on a ramassées, il y a moyen qu'on se régale, je pense, en vrai, non ? Alors, regardez. Ça va ? Regardez-moi ça ! Ça fait un moment que j'ai pas vu vendre tout. Il y a beaucoup de mutants qu'on n'a pas encore croisés. Je crois qu'il bosse surtout pour Copland, ces derniers temps. Il y a donc les tétards. Il y a non découvert. Ah si, les tétards, on les a croisés. Il faudra qu'il bouge un peu son cul. Non découvert. Incroyable. Hop. Entendu, je passe le message. Vendre tout. C'est fait. Ok. J'ai quoi pour la moto, les gars, là ? J'ai quoi ? On va faire un petit tour de la ville et puis on va pouvoir s'arrêter là. On a le mécano, ça peut être pas mal, ça. Mécanicien, faites le plein, réparez, personnalisez, améliorez des éléments de votre moto. Hop. Je regarde juste. Oh putain, ça coûte cher le plein. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Ok. Ok, direction Copland. Direction Copland, et on va pouvoir s'arrêter là, les gars. On a fait le plein, c'est plutôt cool. Moi, ça a bien papoté dans cette vidéo, ça c'est sympa. Elle est où ma moto ? Les gars, je suis personne sans ma moto. Ah putain, elle est superposée sur d'autres emotes. Très bien. Salut, t'as besoin de quoi ? Rien. Hé, hey, quoi de neuf ? Fous-moi la paix. Ok. Est-ce que maintenant, je peux faire une putain de TP rapide ? Bien sûr, voyage rapide. Boum ! On va directement voir un petit peu ce que cette mission va nous apporter. Ça sert à rien de faire tout le retour. On a fait déjà les nids qu'on avait croisés. Donc on s'en est plutôt très très bien sorti et on n'a même pas fait de mission rien. Là on s'est juste baladé. C'était un épisode balade, cinématique, aperçu de ce qui nous attend et on a découvert un nouveau camp. Plutôt pas mal finalement. Bougez-vous, ouvrez-moi. Allez, on va voir le mani les gars. C'est le choix qu'on a fait. Histoire de voir à quoi ça mène et surtout qu'est-ce qu'il va faire de ma moto. Hé hey, Coupe. Je crois que Léon devait te ramener ça. Dick. T'as pris la bonne décision. Vraiment. Va voir Manny. Il pourra peut-être t'aider avec ta moto. Hé, hey, on te voit de plus en plus. Livraison pour Copland. Livraison spéciale. Trophée obtenu et le camp de Copland qui augmente encore. On est à un niveau de confiance de niveau 2, me semble-t-il. Donc Manny, ça, c'est plutôt cool. Je suis toujours pas content. Allez, Manny, fais-moi arriver. Ta bécane commence à tirer la langue. Oui, ça m'a coûté très très cher. Putain, mais mes crédits, ça augmente de ouf. Niveau moteur... Ah ouais, on peut custom de ouf. Mec, c'est insane. Augmente la vitesse de pointe. J'hésite à mettre un moteur de 12. Ça serait totalement incompatible avec mes jantes de 19 pouces. Ok. On a un échappement. Réduit le bruit de votre moto. L'ennemi vous repère moins. Ah, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. J'en ai rien à foutre qu'il me repère moins. Niveau de confiance, plus 2. Réservoir standard. Oh, augmente l'autonomie de la moto. C'est pas mal ça par contre. Très bien. On n'a pas un nouveau câble pour plus de plaisir. Augmente la quantité de dégâts que votre moto peut subir. Très bien. Nitro, ça serait pas mal. Actuellement équipé sans nitro. Hein. Nickel. On peut pas pour le moment. Et pneus. Augmente l'adhérence de votre moto. Oh, par contre, les pneus sont chers. Les pneus sont chers. Très bien. Y'a un problème ou quoi ? Voilà ce qu'on va faire. Réduit le bruit, on avait dit qu'on s'en foutait. Augmente la vitesse de pointe, ça me paraît pas trop mal. Ah, ouais, ça c'est du bon matos. Stockage, ça me paraît important. Ah, on peut pas, pardon. Augmente la capacité de stockage. Non, c'était ça, voilà. Augmente l'autonomie de votre moto, donc un réservoir plus grand. Tu devrais tenir un moment avec voilà, ça me paraît plus important. Très bien. Le cadre augmente la quantité de dégâts. Ça me paraît important aussi. On prépare tout ça comme il faut. Eh, on a une très belle moto là. On a une très très belle moto. Plus que l'échappement.
Réduis le bruit de votre moto. Allez, hey, les gars, faut savoir se faire plaisir. Super. T'as besoin d'autre chose? Ok, non, c'est bon. On est retourné à 1002. Ah, esthétique, putain! Je peux mettre des phares. Je veux des phares Xénon. Augmente la santé de votre moto. Mais c'est quoi ces conneries? 100 balles, j'achète. Excellent choix, mon pote. Okay. Excellent. Ok, Jean, très bien. Augmente la capacité de votre moto à absorber les dégâts. Réellement? Ah ouais, okay. Ça c'est du ça bon coûte pas cher, hein. Ah bah j'achète parce que c'est des offres à pas louper là, les gars, hein. Ok, j'ai un meilleur phare. Je me sens beaucoup plus chaud. Et niveau peinture, on a quoi? Peinture principale, on a totalement rien. Ah ouais, en noir, c'est stylé. 10 balles, les gars. On va tenir un moment avec ça. 10 balles le noir mat. J'aimerais bien mettre une tête de mort. Parce qu'ici, c'est l'Amérique. Qu'est-ce qu'on a? Tout est dégueu. Je vais mettre des flammes sur le côté. Ça va rendre la moto beaucoup plus agressive. Je pense que je peux même gagner un gain de 10 km/h. Tout ça comme il faut. Ça devrait pas poser de soucis. Ici, c'est la beaufrie qui prime. Ok. Passe me voir si t'as besoin d'autre chose. Eh bien, les amis, c'est fait. Merci. Et ça, c'est incroyable. Tout va très très vite. Je peux donc récupérer la moto qui n'a plus d'essence. Et ça, ça fait chier. Merde. Par contre, hop, bougez pas. Sur la carte, où est la prochaine mission? J'ai pas l'air d'avoir... Si! On a... Ok, on a une mission secondaire là-haut. Scénario à la recherche de Léon. Et infestation... Oh, bah oui, putain, il nous reste un nid à détruire. Ça serait pas mal, ça, non? On va faire ça. Très bien! Très bien, très bien. Mais avant cela, hop, bougez pas. On va s'arrêter ici. J'aurais jamais de quoi m'arrêter ici. On va totalement... Hop. Salut Dick. On va faire le plein. Quoi de neuf, Manny? On va au campement et on va juste s'arrêter là en fait. Comment on fait le plein? Hop. Ça coûte une blinde. On va pas tomber en rade en plein No Man's Land. Ça coûte tellement cher. A plus. Ça m'a coûté. Oh ouais, ça m'a coûté tellement cher. Hop, la moto elle recule, hein, toute seule. Tout va très vite ici. Bon. Hop, voilà. Direction. La direction, un voyage rapide. On va save. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Saint John, Tucker à Deacon Saint John. On a du travail pour toi. Salut, Tucker. Ok, je passerai quand je pourrai. Terminé.